Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 1 où je vais vous montrer comment avoir le jeu à vraiment pas cher. Normalement, j'aurais dû faire cette vidéo il y a peut-être une semaine, donc vous aurez pu avoir le jeu en avance. Malheureusement, vous l'aurez si vous commandez aujourd'hui, demain, vous l'aurez demain, dès son jour de sortie, livraison. En 24 ans. Voilà, donc rappelez-vous du site Ineoco que j'avais proposé en vidéo pour Warfare 17. On pouvait l'avoir à un prix réduit et en avance. Là, c'est quasi identique, sauf que bah, l'avoir en avance, c'est compliqué, vu que je fais la vidéo le 20. Il sort le 21. Donc, en tout cas, quand vous cliquez sur Ineoco, c'est sur le lien dans la description, c'est vraiment très simple. Vous arrivez sur cette page, donc vous cliquez automatiquement sur profiter de l'essai gratuit. Et là, vous vous prenez pas la tête, les amis, vous prenez vraiment pas la tête. Vous cliquez sur Battlefield 1 et après, tac, directement, vous choisissez votre console, etc. Donc, vous allez avoir un an d'abonnement Ineoco offert sur le site. C'est très bien parce que ça fait la livraison gratuite, la livraison en 24 heures et des prix, voilà, on va dire plus faibles qu'en public. Prenons exemple, Battlefield 1, tu vas dans les magasins ou sur Internet, il est à 70 balles. L'avoir un peu moins sur certains sites, mais là tu l'as 54 euros. Pareil pour FIFA et pareil pour aussi Infinite Warfare, que je vous referai une vidéo dans le mois parce que j'ai aussi me l'acheter. Battlefield 1, personnellement, j'ai déjà commandé et je l'aurai demain. Donc demain, je vous ferai un live sur Twitch sur Battlefield 1. Donc vous choisissez votre plateforme, c'est vraiment très simple. PS4 ou One, c'est le prix identique. Admettons, vous cliquez sur One. Voilà, hein, faites comme moi. Bon, il n'y a que mon adresse que vous voyez, mais ça s'en fout, c'est mon email pro. Vous mettez nom, prénom, date de naissance, votre adresse, code postal, etc. Et hop, vous, dernière étape, vous validez, vous payez et c'est fait. Je fais une petite ellipse et je vous remonte pour les personnes qui ont déjà, qui se sont déjà inscrites sur Inoko. À tout de suite. Donc les amis, pour les personnes qui se sont déjà inscrites sur Inoko, admettons qui ont pris FIFA 17 comme moi, eh ben, vous n'avez pas la première étape de l'inscription gratuite, etc. Donc là, on arrive sur une OCO, qu'on va voir que je suis déjà connecté, hein, c'est marqué Cyril, donc c'est moi, je suis déjà connecté sur mon compte. Là, pareil, vous avez pas mal de jeux, mais on va se consacrer, pardon, sur Battlefield. Vous cliquez sur le jeu de votre choix, 44,89, enfin, 44,89, c'est pour les personnes qui ont déjà l'abonnement. Ça, c'est un très bon point. Vous allez choisir soit PS4, soit One, les prix sont identiques. Vous faites ajouter au panier. Moi, là, je vais pas le faire parce que vous allez arriver directement sur mon adresse, etc., etc. La seule chose que vous devez rajouter pour ceux qui ont déjà le compte, on va dire Inoko d'actif, quoi, qui ont déjà fait, mettons, qui ont déjà commandé un jeu, vous rajoutez mon coupon qui sera inscrit généralement en haut de l'écran, MRCYRI5, Monsieur Siri 5, voilà, et vous aurez une remise sur le site, donc c'est vraiment très intéressant. Moi, mon Battlefield, je l'ai pris sur Xbox One. Je le reçois demain, le jour de sa sortie. Donc ceux qui veulent commander là, vous l'aurez demain. Hein, vous l'aurez vraiment demain. Donc profitez-en, faites-vous plaisir, commandez un max. La plupart des jeux sont livrés en 24 heures pour ceux qui ont commandé FIFA 17. FIFA 17, je l'avais soit donc il sortait un jeudi, soit j'avais le mardi ou le mercredi. J'ai eu les deux mercredi. Voilà, donc j'ai eu le jeu en avance, en plus pas cher. Là, c'est pareil, 44,99 Battlefield 1 sur Xbox One. Alors, sur, notamment sur Amazon ou sur pas mal de sites, il est à 55, voire même 70 euros sur certains sites. Voilà, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Un petit pouce bleu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez dans l'espace commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Par contre, si vous posez une question, lisez les commentaires pour savoir si quelqu'un n'a pas déjà posé la question. Parce que, ok, je vous réponds, mais si c'est pour répondre 600 fois la même chose, regardez bien vos commentaires et vous serez informé. Voilà, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour une autre vidéo. Allez, bye bye.